L'idée de mon dernier livre, au contraire, est d'abord née d'un lieu, Saint-Malo, où le narrateur du livre débarque en compagnie de ses deux enfants. C'est aussi le lieu où je vis et chez moi, la dimension géographique est toujours une source d'inspiration très forte. Le deuxième point d'accroche du livre, c'est la paternité. C'est le constat qu'au fond, ce qui prend autant de place dans nos vies, qui est une expérience aussi puissante que le lien d'un père à ses enfants, est finalement extrêmement absent des représentations artistiques, littéraires et cinématographiques. J'avais envie de saisir ce mélange de tendresse et de terreur qui est le propre de la paternité et qui là est décuplé dans le livre puisque le narrateur doit s'occuper de ses enfants en l'absence de leur mère qui a disparu depuis un an et il doit être confronté au pire, c'est-à-dire le fait de voir ses enfants souffrir. Et ce qu'il tente en allant à Saint-Malo, c'est trouver un second souffle, une nouvelle vie et rendre à nouveau les choses possibles. Voilà. Et au fond, ce livre, c'est quand même avant tout une grande déclaration d'amour à ma compagne et à mes enfants qui me tiennent et me portent.